Les hommes présentent plus de cancers que les femmes et sont souvent moins bien informés de ces pathologies. En effet, le cancer de prostate ou le cancer du testicule peuvent être tabous et les hommes ne vont pas s'informer et ne vont pas chercher à faire dépister ces maladies. Pour le cancer de prostate, peu de signes cliniques alertent. C'est pour ça que l'Association française d'urologie recommande un test de dépistage sanguin par dosage du PSA, qui est un antigène spécifique de la prostate. Ce dépistage doit être réalisé entre 50 et 75 ans, sauf chez les hommes qui présentent des facteurs de risque particuliers comme des antécédents familiaux ou des origines afro-antillaises. Chez ces patients-là, le test est recommandé à partir de 45 ans. Nous réalisons au CHU de Lille la surveillance active. En effet, certains cancers de prostate évoluent très lentement et peuvent être surveillés pendant plusieurs années avant de nécessiter d'un traitement chirurgical. Certains petits cancers de prostate peuvent être également traités de façon focale grâce à un traitement par ultrason focalisé. Et enfin, pour les cancers les plus avancés, des prises en charge chirurgicales sont proposées au centre hospitalier universitaire de Lille. Nous travaillons également en association avec le centre Oscar Lambret qui propose des traitements par rayon dans le service de radiothérapie.